So this slides will be in English, and the talk will be in French. Okay. Anyway, there is a video on YouTube if you want. It's in English. Yeah, I'm sorry about that. Okay, so let's start. Aujourd'hui, je vais parler en français. On va parler de développement compétences. Donc, plus profondément dans une cour, y a-t-il des développeurs compétences ici dans la salle? Vous connaissez déjà le développement? Vous avez déjà développé le développement? Alors, je vais commencer par vous présenter. Donc, je m'appelle Sarah Arnous. Sarah ici, le HAT Sarah Arnous, c'est mon. On a dit sur Twitter, donc je suis très active sur Twitter en fait. Donc n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions, etc. Je suis très preneuse, je pense que de toute façon c'est populaire, j'ai commencé juste cette année-là, donc je suis en train de changer actuellement. Sinon, je suis marocaine, je travaille en France, donc je suis technique de développement de web chez Dassosystem. Est-ce que vous connaissez Dassosystem? Oui. Donc Dassosystem, c'est une boîte française internationale qui fait des solutions pour le design de soirée. Donc, plutôt produit par des logiciels comme Katia, Solidworks, Segura, etc. Et aussi des logiciels pour ce qu'on appelle le PLM, donc la gestion de cycle de vie de produits. Excuse me, is it possible to do this in English? No. No? Okay, thank you. The slides are in English, the slides are in English. Okay, we'll try. Anyway, there's a video on YouTube, it's in English also. So it's like, look for my name, Sarah Arnous, you'll find it. Okay, awesome. Sorry, go ahead. No, that's okay. Finalement, le développement web, finalement, je suis tombé un petit peu par hasard, parce que moi, ma formation initiale, j'ai eu mon diplôme en informatique industrielle et électronique à Lisbonne, en France. Et puis le développement web, donc depuis autodidacte. Alors autre chose par rapport à moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est par rapport à la place de la femme dans la tech finalement. J'ai vu qu'il y avait des workshops femmes dans la tech, mais malheureusement je n'ai pas pu le rejoindre. Alors, je suis une des leaders de l'association qui s'appelle Duchesse France, une association française, mais il y a aussi d'autres pôles. Partout dans le monde, je pense pas qu'il y en a ici au Maroc ou à l'autre. Et une autre association qui s'appelle Elle Bouge. Donc c'est une association française. Donc en fait, les deux militent à donner plus de visibilité pour la femme dans la tech. Par contre, pour Elle Bouge, elle travaille sur un axe plus particulier, c'est-à-dire, son rôle c'est de créer de la vocation technique parfaite des filles et des jeunes, donc au lycée et au collège. Donc là, c'est les sites web des deux associations, n'hésitez pas à aller voir. On a toujours besoin de soutien et de Donc là, est-ce qu'il y a une. Je vois une seule fille dans la salle. Donc là, ça prouve justement que même pour. Même les femmes, finalement, ils ne viennent même pas. Ils ne viennent pas aux conférences techniques. Dans les métiers techniques, il n'y en a pas. Et du coup, vous êtes développeuse? Pardon? Vous êtes développeuse? Oui. Donc voilà, revenons à nos boutons. Donc aujourd'hui, on va parler de World Confidence. Le talk est appelé It's All Rainbows and Unicorns, is it? Donc finalement, en fait, la raison pour laquelle je l'ai gardé en anglais, c'est que je n'ai pas trouvé une vraie traduction en français. Et ça parce que, à l'annonce de World Confidence, finalement, cette annonce-là, elle a fait vraiment le buzz dans le monde des développeurs web, donc les développeurs et développeuses. Et l'annonce a été faite par un ingénieur logiciel qui s'appelle Alex Hanson, c'est un ingénieur qui travaille chez Google. Et cette annonce elle a été faite en 2011, donc j'ai une grande Donc on lui dit cette annonce elle a fait vraiment le buzz. Et une première version des euros des web components est sortie depuis. Et donc bien sûr elle a été portée par Google, soutenue par cette société-là. Et donc par la suite, on a vu à peu près partout dans la toile des articles techniques sur le sujet qui disaient qu'on voit le web component c'était vraiment la solution de la manière avec laquelle on développe
des applications sur les fontaines. Donc on voyait par exemple les noms d'articles comme ceci. Mais dans d'autres côtés, on voit aussi des articles qui disent que finalement les entrepreneurs sont pas vraiment tenus la promesse qu'ils donnent. Et ça même, même si une deuxième version des lois proposées, donc la version V1, est sortie en 2016, donc normalement qui aide à faire progresser les lois proposées, mais par contre, même avec ça, les lois proposées n'ont pas réussi finalement à passer. Donc dans ce talk, déjà je vais commencer par vous dire pourquoi j'ai décidé de choisir ce sujet-là. Un petit rappel de WebComponents, juste pour dire les APIs qu'on a sur lesquels ils se basent. Après, on va voir ensemble donc un dive deep sur chacune de ces APIs-là. Et finalement, je vais finir par quelques conseils d'utilisation. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce qu'en fait, au début de l'année, j'avais la responsabilité de penser l'architecture des nouvelles applications françaises. Et donc finalement, en regardant sur le net et en faisant quelques recherches, entendre sur le fait que l'architecture modulaire, finalement c'est l'architecture de base qui est utilisée par tous les frameworks frontend JS, et finalement ça paraît quand même assez logique de décomposer son application en modules comme ceci. Donc ici je prends un exemple, je l'ai cliqué sur le site de React. Il y en a qui utilisent React ici? Donc sur ce site-là, donc une petite appli toute simple, donc une appli de produit. On voit, on a une partie search, et après on a tous les goods qu'on peut acheter. Donc on peut imaginer par exemple, donc la première div, c'est la div du tableau des produits. Après, un élément pour le search bar, un élément pour la table, et finalement, c'est les catégories des produits, puis les produits. Et donc, pour décomposer cette appli-là et finalement l'implémenter, donc ne serait-ce que par un côté HTML, donc on va penser à créer des livres et puis les réutiliser. Donc on tombe avec cette architecture comme ceci. Et finalement, on peut se dire, bah tiens, je vais utiliser un des frameworks les plus connus, par exemple, je peux utiliser Angular. Donc Angular a aussi cette notion-là de component, de components. Donc ici, c'est Angular 4. Angular 5 est déjà sorti, mais bon, j'ai pas mis à jour cette slide-là parce que de toute façon, les principes sont les mêmes. Donc ici, c'est en TypeScript, et le but de ce code, c'est de créer une valise, ici on voit le MyApp, qui contient tout simplement une div H1 d'article avec un. Donc, pour le faire, on utilise la fonction components, qui prend en entrée un objet metadata, qui est le sélecteur, donc le nom de cette valise-là, et puis on fait le lien avec le nom de la valise, puis le nom du contenu qu'on va avoir. Donc ici, on voit entre accolade, le name, c'est juste pour faire le data binding et donc changer le nom du texte affiché. Donc là, c'est une manière de faire un composant en Angular. Après, il y a un autre framework qui s'appelle Humber. Donc ici, Humber, eux, ils se basent sur les moyens de completing comme un database. Il y en a qui utilisent un database. Donc en fait, par exemple, dans cet exemple-là, on a un article qui contient aussi des fils de données. Après, pour réutiliser cet article-là qui est le class blog post, donc là, on réutilise un autre template. Et pareil, on réutilise justement de la valise. Donc ici, c'est juste en termes de templating, mais quand même, on a cette notion-là de composant final, puisqu'on réutilise les noms des valises. Ah oui, un autre truc aussi sur Humber. Donc Humber, en fait, ils ont un rendering engine qui s'appelle Grimmer. Et l'année dernière, au début de cette année-là, ils ont annoncé que Grimmer va s'inspirer, va même se baser sur l'API qui s'appelle une API qui s'appelle Castlevania. C'est une des API de WebComponents. Et on a aussi Polymer 2. Donc Polymer 2, c'est pas vrai, enfin, j'ai parlé tout à l'heure des frameworks, mais Polymer 2, c'est plutôt une librairie qui ajoute du sucre syntaxique aux API du WebComponents pour faciliter la réflexion. Donc par exemple, ici, on veut définir la valise ici en bas qui s'appelle CustomElements.
pour le faire, on a l'API qui s'appelle Custom Elements, on appelle la fonction define, puis on lui donne le nom de la classe avec le nom, avec la classe ici. Donc la classe, pour les définir, on fait un extend du polymère element, donc c'est une classe qui était définie par polymère. On donne le nom de son custom element. Et puis ici, je vais donner que le constructeur, parce que de toute façon, ici, j'ajoute juste un text content. Mais après, par la suite, on verra qu'il y a d'autres fonctions qu'on peut appeler, qui sont appelées lors du cycle de vie de l'élément. Et vous verrez que après, il y a beaucoup de similitudes finalement avec l'API standard et polymère. Donc finalement, ici on a eu un ensemble de frameworks de librairies, et dans à peu près les mêmes principes, ce principe d'avoir des modules, mais finalement, ils traitent la chose d'une manière différente, c'est-à-dire en termes d'API et d'ongles. Angular 4, c'est TypeScript, et les autres, c'est à chaque fois une manière, une syntaxe différente. Donc finalement, à chaque fois, le développeur est obligé d'apprendre des nouveaux concepts, de nouveaux langages, c'est un petit peu des fois très compliqué. Surtout que la mode finalement des frameworks front-end change tout le temps. Alors que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que, surtout si je commence une appli très simple, bien pour faire un peu importe une application, donc je me dis pourquoi ne pas faire juste créer des éléments en JavaScript. On va déjà JavaScript. Après, il va l'utiliser facilement dans les autres frameworks. Et là, forcément, c'est vraiment plus simple pour moi. Et là, dans ce cas-là, le web component finalement est bien de la réponse, puisque on répond exactement à cette problématique-là, puisque c'est fait de base sur les standards de la plateforme web, sans fait en vanilla JS. Mais malheureusement, ils ne sont pas supportés par tous les browsers. Et heureusement, l'équipe Polymer chez Google, qui ont fait des polyfills, il y en a qui s'appellent par exemple web component JS, pour pallier à tous les standards. Mais on peut par exemple, si on veut utiliser que les custom elements ou shadow dom, etc., on peut choisir juste le polyfill pour cette API. Donc on voit ici maintenant que Chrome, finalement le support est partout, pour toutes les API, finalement, parce que Chrome est le premier à annoncer déjà les API du web component. Et après, donc, on voit que soit c'est en développement, soit c'est en code. Mais on verra par la suite chaque API par détail. Donc ici on se rappelle finalement de l'idée de web components. Donc l'idée est d'enrichir avec de nouveaux éléments qui sont personnalisables programmables. On peut ajouter dans d'autres applications. Donc forcément on peut importer dans plusieurs pages dans l'application. Donc les web components, ce n'est pas vraiment un seul standard, mais c'est quatre finalement. Alors il y en a HTML template tag, le shadow DOM, custom elements et HTML imports. Et il y a cette idée répandue que pour utiliser les web components, on est obligé d'utiliser les quatre. Mais finalement, en fait, non. On peut utiliser ces standards-là séparément. Du coup, dans la suite, on va traiter chaque API vraiment séparément pour voir un petit peu l'utilité qu'on peut avoir en les utilisant séparément. Même s'ils prennent tout leur sens utilisés conjointement. On va commencer par HTML template tag. Donc ici c'est juste la balise template. Donc là par exemple dans vos applications, quand vous commencez votre projet, une des premières étapes c'est de voir le define que vous avez, donc l'aspect de la vue. Après décomposer les éléments pour justement ne pas recoder chaque élément, etc. Et avoir des éléments, des blocs réutilisables. Donc vous allez penser pour chaque composant à une structure HTML. Donc pour le faire, on peut utiliser template tag, sinon il y a d'autres moyens, comme par exemple un canvas, ou bien tout simplement avoir juste une structure HTML et ajouter un display NAD, mais c'est pas la manière la plus performante, puisque de toute façon, si ajouter NAD, forcément on va faire notre HTML. Donc le template justement a été utilisé pour ça, c'est-à-dire que on peut ajouter cette partie au DOM, mais qui est inerte, donc il va être passé par le navigateur. Mais il ne va pas être affiché. Et donc forcément, il n'y a pas de fichier de données, il n'y a pas d'utilisation de CSS, etc.
Donc là, une fois on a choisi notre template, donc forcément on veut l'utiliser pour après lui donner donc l'afficher sur notre page. Donc ici, il y a quatre lignes à peu près de JavaScript. On récupère le template par son dernier. Après, sur le contenu, on va faire un clone node avec tout. Et si le tout ici, c'est juste pour dire qu'on va copier toute l'arborescence, donc un clé to the root. Donc, une fois on a copié ce node-là, donc on va faire un filtre sélecteur aussi sur le host, c'est-à-dire la div ou l'élément dans lequel on va ajouter ce template-là, et puis faire un simple apple tag. Et voilà, notre template prend vie. Donc c'est pas mal finalement cette utilisation-là. La spécification elle est bien faite, donc si vous recherchez, regardez la spécification du W3C, et vraiment c'est bien fait, c'est très clair, etc. Parce que généralement les specs du W3C sont très compliqués à lire. Donc ça fait ce que ça dit, ça tient sa promesse. Mais par contre, je ne trouve pas que c'est quelque chose qui finalement révolutionne notre manière de faire des applications. Surtout, par exemple, moi, j'ai une adepte de moyens tempétiques en Handlebar, donc je vais nettement mieux. Et donc surtout aussi parce qu'on n'a pas de binding avec ces données, pas de two-way data binding. Parce que un des problématiques, c'est qu'on ne peut pas faire le lien entre les données dans le modèle et le. Alors que si on avait ce binding-là, ben ça se fait de manière automatique, surtout s'il y avait le two-way data binding. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un changement dans la vue, il va impacter dans le modèle et ça se fait. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, pas mal de défauts, mais par contre, il y a après, juste en début de ce mois-là, ils ont commencé à se pencher sur l'aspect de cette API-là et ils veulent ajouter des data binding. Et donc là, franchement, s'ils font ça et si tous les autres navigateurs suivent leur spec, donc ça va être carrément un remplacement par exemple pour des templates Handlebars. Donc on peut faire des templates juste bas niveau, donc c'est le gros doc qui peut s'en occuper, sans avoir ce besoin-là d'aller en après une librairie. C'est vraiment super cool. Donc après, on a vu un moyen de créer ces templates-là. Et après, donc, on a plusieurs éléments dans notre page. Et généralement, on a un problème de cloisonnement de DOM et de CSS surtout. Et je suis sûr que vous avez déjà eu ce problème-là d'ajouter des points d'exclamation importants un peu partout dans votre code. Parce que justement, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs éléments de l'application. Ils peuvent par exemple trouver des mêmes normes de classe, etc. Et donc on se retrouve vraiment très mal à l'aise à ajouter des importantes partout, voire même de modifier un petit peu le code ou bien changer carrément là où on inclut le fichier CSS. Donc une des solutions à ce problème-là, c'est l'aspect de l'API appelé ShadowDOM. Donc ShadowDOM finalement il aide à ajouter cette portée locale à une structure de DOM avec son CSS. Et donc comment on le fait? Donc il y a une fonction, donc API ShadowDOM, il nous donne une fonction qui s'appelle AttachShadow. Et avec AttachShadow, il nous donne cette possibilité de créer un document. Donc un vrai document, enfin comme on écrit par exemple HTML, c'est vraiment un vrai document qui est l'interface document fragment, donc qui est un peu plus léger que le document HTML normal. Et donc ce document-là, il peut être inséré dans une div, par exemple. Et du coup, ce document, finalement, ça nous donne cette possibilité d'avoir un endroit secret protégé pour notre DOM et CSS. Donc voilà, juste un petit rappel, donc les principaux concepts du ShadowDOM, c'est le DOM isolé et le CSS isolé. Le ShadowDOM, personnellement, je trouve que c'est une API très puissante de OpenCompetence. Les grandes features de cette API-là. Mais par contre, niveau support par tous les navigateurs, donc là il y a Edge qui est considéré pour l'instant, on ne sait pas encore trop s'il veut l'implémenter ou pas. Firefox est en mode de développement, je pense que ça va être bientôt terminé. Mais il y a un autre problème avec ShadowDOM, c'est que finalement pour le collectif, donc ce soit pour Microsoft, ou, enfin, le Edge ou donc, Firefox, le comportement des prolifiés est différent. Donc si on ajoute des éléments qui utilisent le ShadowDOM, que ce soit dans les deux navigateurs, on peut avoir des comportements différents.
différent d'un navigateur à un autre. Et pourquoi cela? Parce que finalement, ce polyfill-là est développé en JavaScript pour pallier des comportements en CSS. Et généralement, cela est des fois un peu mal fait. Donc forcément, on arrive à des comportements très différents d'un navigateur à un autre. Donc l'idée, c'est qu'on peut se demander, bah, tiens, si on faut l'utiliser ou pas. Donc si on veut l'utiliser, donc par exemple dans la première fonction, on voit qu'on a un route, donc ce route-là peut être le host de notre élément. C'est là où on va créer notre shadow, donc la fonction attach shadow. Et puis dans le route, on va par exemple attacher notre template qu'on vient de créer avant. Ou bien même sans utiliser le template, on peut utiliser juste une structure normale. Et dans l'autre cas, si on ne veut pas l'utiliser, bah finalement dans le même code, on va juste mettre à 10, c'est-à-dire on va juste être rappelé sur l'élément lui-même. Et donc là, pareil, c'est la même chose. Donc finalement, Shadow DOM, son utilisation est vraiment très très simple. Dans le cas où on se demande de soit l'utiliser ou pas. Donc au niveau de modification de code, il y a une ligne à modifier. Côté CSS, c'est à peu près la même histoire. Donc avec l'arrivée de Shadow DOM, il y a aussi PitModi qui a été un nouveau sélecteur qui a été ajouté au CSS. Donc un sélecteur qui s'appelle host. Donc le host il correspond à cette structure secrète qu'on ajoute. Donc par exemple, on peut utiliser pour changer les couleurs, les paquements, etc. Donc si on veut utiliser, ben, on utilise le host comme ça. Et si on se dit ben, on n'utilise pas le Shadow DOM, donc finalement on peut utiliser directement le tag de l'élément. Donc là, vous allez me dire, bah, attendez, est-ce qu'on va faire un code du coup pour les différents navigateurs, comment on va gérer ça? Ben, finalement, on peut juste ajouter aussi une ligne de code avec un shadow flag. Donc le shadow flag va par exemple détecter, ça va être attach shadow. Et si on a ce shadow flag, ben, on utilise le shadow DOM nativement. Si on l'a pas, on va ajouter notre structure à l'élément lui-même. Et côté CSS, juste le sélecteur, la virgule ici, est suffisant pour le code marche dans les deux cas. Donc finalement, il est plutôt souhaité d'utiliser le Shadow DOM de cette manière, donc d'utiliser que s'il est nativement supporté par le navigateur. Donc là, on a vu comment créer un template d'un élément, comment gérer ce porté de crâne pour le DOM. Mais après, finalement, on peut aussi. On peut toujours tomber sur une structure comme celle-ci. Une arborescence énorme, avec même des fois des classes qu'on a. Enfin, je pense que dans cet exemple-là, les noms des classes sont un peu déjà. Et là, c'est le DOM d'une application très connue d'un site web. Peut-être que vous connaissez. C'est une messagerie. Un site web de messagerie que vous connaissez. On va jouer à un petit jeu. Non, parce que. Gmail. Yes. Donc c'est Gmail en fait. Et là, même eux ne sont pas très contents par cette arborescence qu'ils ont fait. J'ai regardé récemment une conférence sur laquelle ils parlaient de comment ils ont fait la structure de Gmail. Et là, ils disent que c'était vraiment la galère pour réutiliser leur propre élément. Et donc, puisque eux finalement. Google, c'était l'initiateur des Web Components, donc ils se sont dit, bah tiens, on va tout refaire, on va faire ça avec les Web Components. Pour Gmail, c'est pas encore fait, mais par exemple pour YouTube, donc si vous êtes des adeptes à regarder tout le temps, à faire des inspects sur les sites où vous allez, si vous faites un inspect element sur YouTube, donc la nouvelle version, vous verrez des Web Components partout. Donc là, c'est un exemple de Hangout. Je pense que dans comment ça. Et ça, c'est nettement plus visible. Parce que déjà, juste un développeur qui vient de venir équipe X, il est intéressé par un composant qui est fait par une équipe Y. Donc, il peut juste regarder le code source, il va regarder le nom de valide et c'est bon, il peut trouver l'élément facilement. Et donc, ça, ce côté-là d'avoir les noms de valide personnalisés, c'est l'API Custom Elements qui le fait. Donc ici par exemple, donc on veut créer le custom button. Donc pour le faire, on utilise API custom elements qui est sur l'objet window. On appelle la fonction define, puis on lui donne la classe. Donc là, ça rappelle vraiment la structure de Polymer. C'est la preuve que Polymer, finalement, c'est vraiment du sucre synthétique sur
les PI natifs, parce que eux, de toute façon, ils ont cette philosophie-là de use the platform, c'est-à-dire utiliser juste la plateforme et minimiser tout le JavaScript qu'on peut avoir en plus. Donc, rendons l'exemple. Donc, ici, moi, je vais customiser par exemple un bouton. Dans ce cas-là, je vais faire le class custom build button et faire extend the HTML elements. Et si je le teste, donc si je teste custom button, je vais trouver que ça agit juste avec simple div. Alors que moi, je veux un bouton. Donc, pour le faire, je peux aussi faire un extend the HTML button element. Donc là, c'est l'élément natif du bouton. Par contre, là, vous remarquerez qu'il y a une différence dans l'appel du define. Ici, on est obligé d'ajouter un troisième argument, donc l'extend du button, pour préciser quel élément on veut étendre. Même si dans le extend en haut, on a bien précisé HTML button element. Donc, ça, pourquoi on a cet argument-là? Parce qu'il y a certains éléments du web natif qui ont la même interface. Donc, par exemple, le vue et le code ont la même interface. Et donc, forcément, ils ont généralisé le comportement pour tous les éléments. Et donc ici aussi, il y a une différence quand on appelle le bouton. Donc là, on n'appelle pas le custom button directement, mais on est obligé d'appeler button et puis d'ajouter l'attribut is. Et c'est là où on donne le nom du bouton. Et donc là, pareil, les développeurs, finalement, on a vu beaucoup de tweets sur ça qui disaient que ce n'était pas la bonne manière de faire, parce que finalement, l'utilisation des custom elements, enfin, l'avantage de cette utilisation-là, c'était justement le nom personnalisé. Donc les custom elements, vous avez peut-être remarqué qu'on a toujours ce dash, donc le tirer du 6 dans le nom des valises. Donc c'est une règle en fait obligatoire. Il y a forcément des raisons derrière ça. La première raison, c'est que déjà pour assurer la compatibilité ascendante, c'est-à-dire dans le sens où à chaque fois on va ajouter des nouveaux éléments, donc on est sûr qu'on ne va pas avoir un conflit avec les éléments. Il y a d'autres règles aussi, donc, par exemple ne pas utiliser des noms majuscules, voire aussi des mots-clés, par exemple comme translate ou des choses comme ça. Donc ici un exemple de classe, donc avec les autres fonctions qu'on peut trouver. Donc ici, j'ai oublié de le dire au début, mais on va parler que de la version V1 des custom elements, voire même des components. La version V0, et on ne pouvait pas faire avec les classes comme ça, c'était plutôt avec des prototypes. Et donc là, la V1, elle nous donne cette possibilité de aussi exploiter toutes les nouveautés de ES6. Donc dans cet exemple-là, on a le constructeur. Donc il est primordial, obligatoire d'utiliser toujours, d'appeler en premier la fonction super pour hériter tous les attributs, toutes les propriétés du HTML Elements. Après, on va trouver plusieurs fonctions des callbacks. C'est des fonctions qui sont appelées au moment intéressant du cycle de vie de ce composant-là. Donc on a le connected callback qui est appelé à chaque fois que l'élément est inséré dans le DOM. Le disconnected callback, donc qui est détaché de l'homme. Attribute changed callback, c'est une fonction qui est appelée à chaque fois qu'il y a un changement sur l'attribut. Et donc là, on a vu les custom elements, on a créé un composant, super. Et donc forcément, on va les réutiliser dans notre application. Donc pour le faire, on va utiliser les HTML imports. Donc là, j'utilise ici une simple ligne avec le link qui préciserait la import. Donc comment on peut faire pour un fichier JavaScript ou un fichier CSS. Pour notre application, on peut imaginer avoir plusieurs fichiers de traduction HTML qui, donc chaque fichier correspond à un composant de l'application. Et dans ce component.html, on peut trouver le fichier CSS, la structure, et puis le fichier JavaScript qui contient la logique de ce composant. Par contre, j'ai récemment testé ce code sur Chrome, et quand on le fait, en fait, il nous sort à avoir pour le dire, parce qu'on n'a plus le droit d'importer le CSS de cette manière-là. Et qu'après mars 2018, ils ont carrément supprimé cette possibilité. Donc ce code-là, il ne va même plus marcher. Alors, il y a des raisons derrière ça. C'est que la première, c'est que le
CSS qu'on peut trouver dans ce fichier-là peut aussi impacter, par exemple, le fichier des éléments qui sont dans index.html. Et qui est un peu finalement déroutant pour les développeurs. Normalement, si on a ajouté un CSS spécifique pour un composant, il ne doit pas impacter le reste de l'œuvre. Et aussi, cette manière-là de faire, apparemment, elle a ajouté une manière très complexe pour le moteur de rendering de Chromium, qui s'appelle Blink. Donc, ils se sont dit, bah, tiens, on va carrément supprimer cette possibilité. Et là, on verra après. Donc là, c'est juste la première dépréciation qu'on peut avoir. Mais finalement, après, il y aura d'autres dépréciations, puisque le HTML qui porte carrément. Donc là, pareil, donc on a fait le link, l'apport de notre composant. Après, forcément, on va utiliser ce composant-là. Donc là aussi, il y a quelques lignes de JavaScript à faire. Il faut faire le query selector sur le link. Et puis aller chercher, par exemple ici, j'ai mis le container, donc c'est l'ID, par exemple la structure qu'on va avoir. Donc il faut la créer, et puis l'attacher au host, donc à la ID, pour la remettre sur son composant. Donc là, pareil, ça me rend quand même un travail assez fastidieux et fatigant, finalement, si on va répéter à chaque fois ces lignes. Alors qu'il y a des moyens plus simples, par exemple, si vous utilisez RequireJS, qui connaît RequireJS. Donc là, la situation est nettement plus simple, comme on peut faire aussi sur pour ceux qui viennent de JS. Juste le livre. Donc tout ça, c'est voilà, c'est des défauts de HTML import. Il y a un autre défaut aussi, c'est que finalement chaque HTML import, c'est un appel qu'on fait. En background, c'est un XML HTTP request qu'on fait. Et donc forcément, dans une large application, on a décidé de faire plusieurs composants pour plusieurs fichiers HTML. On va marteler notre serveur avec le REST. Donc une des solutions à laquelle les équipes Google ont pensé à faire, c'est de créer un outil de build qui s'appelle RootAnalyze. Donc cet outil, il a comme objectif de prendre tous ces imports-là, de les concaténer dans un seul fichier, et puis de les importer une seule fois. Forcément, du coup, faire qu'une seule requête avec laquelle on va importer tous les composants. Mais bon, ce n'est pas la meilleure solution finalement. Et puis, Vulkanize, je pense qu'il va aussi être déprécié, puisque avec l'arrivée des technologies comme HTTP2 par exemple, bah, on pourrait s'en passer de cet outil-là, puisqu'on pourrait faire plusieurs requêtes en même temps. Donc HTML import, moi j'adore l'idée finalement d'apporter ce fichier HTML, on ne l'avait pas avant. Mais là il y a un gros souci par contre au niveau du support côté navigateur. Donc là c'est supporté par Opera et Chrome, ce qui est normal. Et puis Edge, on ne sait pas encore. Safari et Firefox, ils ont dit que c'était en roll. En fait ils ne veulent même pas la faire monter aussi mettre en roll ici. Et pourquoi ça? Parce qu'en même temps, il y avait aussi l'arrivée de ES Module. Donc, Mozilla et Apple n'attendaient que la finalisation de l'aspect de OS Module et elle a été faite l'année dernière. Et donc ES Module c'est quoi? En fait ES Module ajoute deux mots-clés à JavaScript. Donc le premier c'est export. Donc ce mot-clé va nous aider à ajouter un tag sur une fonctionnalité, par exemple ici à notre composant. Et puis pour le réutiliser, on utilise le mot-clé import. Et donc là pareil, ça rappelle l'utilisation qu'on peut avoir dans donc ici, c'est vraiment le moyen actuel qu'il faut utiliser finalement pour importer vos composants. Donc si vous pensez créer une application from scratch ces jours-ci, donc pensez plutôt à ES Module. Et même par exemple pour Polymer, donc là ils ont sorti Polymer 3 qui est en early preview, donc normalement il n'est pas encore assez prêt pour l'utilisation en public, les applications en public, mais ils pensent carrément supprimer les HTML imports et utiliser directement les SMB. Donc ici, juste un exemple d'éléments, par exemple le trou de la barre. Ici c'est un exemple de Bootstrap. Qui a déjà utilisé Bootstrap? Donc ici c'est un exemple qui est assez simple, il n'y a pas beaucoup de livres
pas une grosse structure. Il y en a d'autres exemples plus compliqués avec une grosse structure, etc. Mais du coup, à chaque fois que vous voulez utiliser, enfin, les copier-coller le HTML, allez chercher de bons fichiers CSS qui peuvent. Alors que, on peut penser à juste créer le custom element tout simplement. Pour ça, on va utiliser juste progress bar, on va ajouter des attributs, et ça va être. Il n'y a plus cette structure à copier-coller. Donc là, ici, c'est un exemple de classe progress bar. Donc là, vous verrez, l'implémentation, elle est vraiment très très simple. Donc pour le constructeur, donc là on appelle super pour les gens qui ont déjà rencontré. Ici j'ai décidé d'utiliser quand même le shadow dom. Donc pour le faire, je crée juste une nouvelle propriété shadow à laquelle je vais attacher mon shadow en mode open. En fait, il y a deux modes, mode open et mode close. Le mode open, ça me donne cette possibilité d'hériter de cet élément-là et puis modifier même la structure qui est dans le shadow. Finalement, c'est le mode le plus utilisé, puisque de toute façon, on va dire dans les applis en production, on part toujours de l'existant, plus qu'on hérite et plus qu'on modifie. Ici aussi, j'ai ajouté une propriété donc, à un score complete, c'est la propriété qui va correspondre juste à la progression, au chiffre de la progression de mon élément. Donc, ça va être aussi un attribut qu'on va rappeler directement. Donc là, on a des getters à un setter. Donc le getter, il va juste retourner la valeur de l'attribut. Et puis le setter, il va faire un seul attribut avec la valeur d'attribut. Donc cet attribut, en fait, il va vraiment changer l'attribut qu'on peut trouver sur la vie directement. Alors, enfin, une fois on a ajouté notre attribut, donc forcément, on veut observer cet attribut. Là, parce que chaque fois qu'il y a un changement, on veut qu'il soit directement lu sur notre élément. Donc ici, c'est la fonction attribut changeCallback qui vient d'arriver finalement, puisque c'est la fonction appelée à chaque fois que l'attribut va changer. Et donc, dans cette fonction-là, on va accepter la valeur de l'attribut. Ici, vous verrez, on a la fonction qui s'appelle observeAttributes. Donc dans laquelle on retourne un tableau qui contient les attributs qu'on veut conserver. Donc en fait, par défaut, si on ne fait pas ça, le attribut change callback ne sera pas du tout appelé. C'est dans un souci de performance, pour ne pas être appelé à chaque fois qu'il y a un changement. Donc il faut absolument préciser les valeurs des attributs sur lesquels on veut ajouter notre attribut. Et là, le code par exemple qu'on peut avoir dans l'attribut change callback, donc on va faire un query selector par exemple sur la classe qui va elle contenir le CSS de la progression. Et puis ce inner, donc ici dans ce inner bar, on va juste modifier le CSS et puis le inner HTML pour juste ajuster modifier aussi la valeur de la progression. Donc là vous allez me dire mais pourquoi tu as utilisé ensuite cette vue sans cet attribut. C'est vrai, je pense à l'attribut, mais par contre, finalement, j'ai mis un pattern qui est utilisé un peu enfin, tout le temps, parce que généralement, on les a dans les custom elements, on a plusieurs attributs, on ne savait pas le faire avec un seul. Et donc, finalement, c'est un pattern qu'on peut utiliser, avoir des cases pour chaque valeur d'attribut. Donc, ici, moi j'ai utilisé comme excès de callback pour ajouter le template. Et puis ici, il y a juste le dot inner HTML, ça va être tout simplement. Ce code-là peut être ajouté aussi au constructeur si on veut. Mais j'ai choisi de l'ajouter dans la fonction quand l'élément va être inséré dans le dot. Et donc là, c'est bon, j'ai fini mon code finalement. Il faut juste que j'ajoute la fonction des define qui va définir le nom de mon élément. Et puis je peux l'utiliser quand ceci. Juste avec le tag donc ici, comme on l'a vu au tout début, donc dans une application, on a cette structure finalement de différents éléments. Par exemple, comme ici, on a cette page avec un custom navbar, toolbar, puis le contenu du page, qui va contenir par exemple le progress bar qu'on vient de créer, et puis avec un custom input. Et là, forcément, on va penser comment on va faire communiquer ces composants entre eux.
Donc un des moyens, c'est d'aller directement faire un QRS sélecteur à l'élément et puis le modifier, etc. Mais ce n'est pas du tout la bonne manière de faire. Si on veut avoir une architecture modulaire qui est, en français, mais qui est loosely coupled, c'est-à-dire que chaque élément est une vie sa vie, sans toucher le reste de la vie. Par exemple, le Gmail, vous n'aurez jamais Gmail en panne, même s'il y a des éléments qui par exemple, sont buggés ou quoi que ce soit, mais le reste de l'appli marche. Donc c'est ça l'utilité finalement d'avoir une structure comme ceci aussi, c'est de garder les éléments indépendants et puis minimiser les crashs de l'app en cas d'erreur sur un seul élément. Donc dans le cas, on va faire un query sélecteur directement sur l'élément. Donc forcément, si lui crash, bah, tout à fait crash. Donc la manière de faire, c'est d'avoir une interface d'événements. Donc ne communiquer qu'avec l'élément. Et dans le sens où, si par exemple on ajoute des listings sur un élément, bah forcément celui qui est en bas l'élément, même s'il est en panne ou l'autre en panne, bah, ça va changer. Donc ici, j'ai mis l'exemple, par exemple sur le custom input, on va faire juste un dispatch event, on va créer un new custom event, et puis on va mettre le détail des données qu'on va ajouter. Ici, j'ai utilisé custom events pour avoir le moyen finalement de choisir les noms des événements qu'on va avoir. Donc on peut même customiser aussi les noms des événements. Donc une fois on a fait ça, sur l'être élément, donc on va mettre barre ici. Donc je fais un add event listener qui pareil écoute cet événement là, et puis la fonction, donc le programme, on peut faire tout ce qu'on veut. Ici on va remarquer aussi le when define, donc c'est une fonction aussi qui est donnée par les API custom elements. Donc il vaut mieux l'utiliser puisque si on ne le fait pas, parfois on n'est pas sûr que le progress bar, enfin, l'élément qu'on vient de créer, il a été vraiment créé par les API. Donc une fois on a fait ça, on est sûr que l'élément a été déjà créé. Et donc le add event listener, il avait marché comme ça, c'est un événement qui est dispatché dans un autre élément de l'appli, ce sera comme le listener, il va marcher. Donc notre callback va taper. Donc finalement pour finir, le templateage, moi je dirais, pourquoi ne pas l'utiliser si on a par exemple une appli très simple pour un pop, etc. Pourquoi pas. Mais par contre, moi personnellement je n'utilise pas parce que dans une appli d'industrie qui est en production, je peux vraiment ne pas l'utiliser. D'un autre côté, pour les HTML import, si vous commencez une application maintenant, ces jours-ci, n'utilisez pas, ça ne sert à rien. Utilisez plutôt ES Module. Sinon, si vous avez déjà des applis avec des HTML imports, bah gardez-les quand même, parce que de toute façon, surtout si vous utilisez par exemple Polymer 2, moi personnellement je l'utilise, et forcément j'ai des HTML imports, mais avec l'arrivée de Polymer 3, donc ils vont ajouter un outil qui va automatiquement faire le upgrade, et donc transformer tous les HTML imports à des HTML imports. Le Shadow DOM, c'est une API très puissante. Vaut mieux l'utiliser, mais par contre avec un plugin. C'est-à-dire l'utiliser que sur les navigateurs qui supportent le Shadow DOM nativement. Et puis pour les custom elements, je ne vois pas du tout de raison pourquoi. Pas de raison pour se priver d'avoir des noms customisables. Donc si vous voulez commencer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les web components, si vous voulez commencer à les apprendre, commencez plutôt par les custom elements. Est-ce que ça va vous donner cette possibilité de créer des attributs spécifiques. Après, pour le reste du code, etc., vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais ça va ajouter au moins sa structure à votre appli et puis le côté lisible finalement de la structure de l'appli. Donc après, comme j'ai dit, pour le custom elements, vaut mieux commencer par ça. Parce que d'un autre côté, même si vous dites, bon, je ne vais pas utiliser les web components comme ça avec du vanilla JS, je préfère les utiliser avec un framework. Il vaut mieux quand même les apprendre et les comprendre, puisque presque tous les frameworks JS maintenant veulent se baser sur les standards. Et donc, au moins pour comprendre les décisions de design, voire même comprendre la structure et l'intent de chaque framework, donc vaut mieux commencer par le. Donc voilà, c'était pour tout pour moi.
si vous voulez les slides, donc n'hésitez pas à me contacter sur, sur Twitter. Il y a d'autres exemples des WorkComponents sur GitHub, donc, si vous voulez. Sinon, juste au début de mois, il y a un article qui est sorti sur le magazine programmé. En fait, ça résume tout le talk, mais avec plus de détails, avec des exemples, etc. Justement sur, les, sur le code qui est sur GitHub. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci d'être venu.